cuisine suédoise parce qu'on est plus statique. Il n'y a pas d'aérobie, on travaille vraiment que le renforcement musculaire et un peu d'étirement vers la fin. On fléchit, on attrape avec la main opposée, on reste. On lâche, on revient. On fléchit, main sur les genoux, on déroule. Disons que moi je fais un cours adapté à des femmes de mon âge, donc à un public féminin et de la quarantaine. Je cite tout ce qui commence à malheureusement être moins tonique, donc des femmes qui ont eu des enfants. Donc c'est très ciblé, intérieur cuisse, les bras, voilà, bien sûr la ceinture abdominale. Voilà. Et on travaille pas mal le dos aussi, parce que bon, les femmes elles portent beaucoup, elles font beaucoup de choses, donc on travaille beaucoup beaucoup le dos. Je mets 20 minutes de dos à chaque séance. Je viens au cours parce que déjà c'est pratique pour moi parce que mes enfants, j'ai mon fils qui fait du judo dans la salle à côté et ma fille fait de la danse classique. Donc on vient et on est à trois à faire du sport. Donc pour moi c'est super, je fais de la gym, traditionnelle, enfin on fait un peu de tout. Et bon là-bas je suis sportive donc c'est parfait. Les cours ils se passent bien, il y a de la bonne humeur. Au fur et à mesure on se lie d'amitié en plus avec les gens. Et puis on travaille tout le corps, c'est quand même pas mal. Moi qui cours et qui fais d'autres sports à côté, ça me permet de faire un complément musculaire. On voit le corps dans son entier, les bras, les cuisses, les abdos, donc c'est parfait. Inspirez, soufflez. Mike. Alors, ce qu'on a rassemblé sous l'appellation gymnastique vietnamienne, ce sont toutes les techniques de santé issues des arts martiaux vietnamiens et plus particulièrement du Taisen Vodao. Cela comprend les assouplissements, le renforcement musculaire, le travail respiratoire et le travail d'énergie interne. Ces cours s'adressent à tout public, de tout âge, de toute condition physique, l'objectif étant d'atteindre un bien-être et un mieux. C'est particulièrement indiqué pour les personnes d'un certain âge qui voudraient faire une gymnastique plus douce, mais on peut aussi augmenter l'intensité des exercices selon le niveau des élèves. Il n'y a que mes bras qui travaillent, pas de mouvement du dos. Allez, monte. Allez, Valérie, vous doublez. Bas. Bon, montez vos mains. Non, montez vos mains. Ça haut. Armez plus haut. On démarre de la tête jusqu'aux pieds en faisant des mouvements et de la respiration. Je suis relaxée. J'ai toujours fait de la gym et j'en ai eu que trois professeurs qui faisaient bien, donc Mathieu. N'hésitez pas à venir essayer le cours. Nous travaillons toujours avec un groupe assez hétérogène. Les exercices s'adaptent aux besoins et aux capacités de chaque personne. Il y a de la place pour tous. Vous êtes les bienvenus.